Bonjour à vous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur, sur plusieurs éléments. Alors je suis désolé pour le bruit, je suis dans un lieu pour enfants, une structure pour enfants. Donc on va essayer le partage de connexion de l'iPhone 6 Plus et en même temps on va tester le réseau Free. Hop, si le focus veut bien. Voilà, enfin, on va tester le réseau Free du coup en mode nomade. Donc pour le partage de connexion, donc mode de réglage, et ensuite vous avez partage de connexion, et donc là on valide. Vous avez un mot de passe. Donc moi c'est max hashtag 01 test. Et on va aller du coup sur le PC portable. Donc lui PC portable 149 € à électrodépôt. Donc c'est 2 Go de RAM, 32 de mémoire disque dur. Donc c'est vraiment le bas de gamme. Donc là, il y en a pour, oui, je vous dis, 149 €. Donc on va aller dans le réseau Wi-Fi. Donc voilà, on voit que mon réseau Wi-Fi s'affiche ici, iPhone de Loïc. Donc on ne va pas aller sur le Loopy Land, il n'y aurait pas grand intérêt à tester le réseau Free là-dessus, puisque ça n'a rien à voir. Donc on va tester. Voilà, on va faire se connecter. Donc on va rentrer le mot de passe qui est affiché sur l'iPhone. C'est en minuscule. Alors par contre, c'est toujours galère avec les majuscules, les minuscules. On va essayer comme ça. Avec les majuscules, les minuscules sur les... Ah, sur ces claviers là, je suis pas du tout habitué moi. Max, du coup, dièse, j'espère que ça aura fait le dièse. 0 1, test, sinon je changerai le mot de passe. On voit très bien, je sais pas si... Voilà, ça s'affiche en bleu, ça doit se connecter normalement. Nous n'avons pas pu connecter. Alors, je vais changer le mot de passe, ce sera plus simple. On va faire max 01. Test, ok. Voilà, donc, on va réessayer. Se connecter. Hop, et donc je suis pas, c'est bon, max majuscule 01, on revient en minuscule, test, voilà. Donc là ça y est, voilà, on voit déjà qu'il est connecté. Quand c'est en bleu et c'est écrit partage une connexion, donc là vous êtes sûr d'être connecté, voilà. Donc maintenant on va essayer de voir le débit. Que c'est quand même rapide, je suis que en 3G, donc j'ai un forfait free 4G illimité puisque je suis client aussi box, donc je le paye 15,90 € en tout illimité, sachant que pour les non abonnés box c'est 19,90 €, on va dire 20 € avec 100 Go, donc voilà. Donc je sais pas, on va aller sur YouTube, on va essayer de... Voilà, YouTube. Donc l'ordinateur portable, hein, je vous le dis, hein, c'est pas un foudre de guerre. Même à la maison en Wi-Fi, ça rame un petit peu. Je sais, voilà, il est presque aussi rapide que là. Moi je suis assez content de ce test parce que je le réalise vraiment avec vous en temps réel. Et voilà.
voilà, donc ouais, franchement c'est assez rapide. Donc je crois qu'en camping-car ce sera vraiment l'idéal pour nous, pour ce qu'on veut en faire. Franchement, ouais, non, ça me paraît super correct. Donc le forfait free, je sais que certains en sont pas contents, moi j'en suis super content. J'ai aucun souci de connexion, de coupure, moi je l'utilise tout le temps. Au boulot, il tourne en permanence, que ce soit en podcast, en YouTube, pas pour la vidéo, mais pour le son, mais il tourne quand même en vidéo. J'ai aucun souci de connexion, que ce soit avec l'iPhone 6 Plus que je viens d'avoir, j'étais sur le 5C avant, ou que ce soit sur la connexion Free, je n'ai vraiment aucun souci. Ma femme a le 5S, elle est chez Free aussi et aucun problème. Mes parents ont tous les deux le 5C et chez Free aussi et n'ont aucun problème. Donc franchement, non, moi je suis super content de la connexion, voilà, du partage de connexion qui a l'air de fonctionner correctement. Donc pour continuer le test, et ben, moi je vais charger la vidéo actuelle et la mettre sur YouTube d'ici. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui pour ce test. Le prochain test à venir sera un GPS de randonnée vélo, le Garmin Edge Touring, que je viens de recevoir. Donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc pareil, une vidéo qui sera pour le tester avec vous en direct, ou presque en direct, mais en tout cas j'aurais pas eu l'occasion d'y mettre les mains avant. Voilà, et ben je vous remercie, bonne journée à tous.